Bonjour, c'est Camille Crepy qui vous représente. C'est son projet de la guerre des clans. Car j'ai refait deux dessins qui n'étaient pas très beaux. Et j'en ai fait un de plus. Du coup, on va commencer par celui-là, le clan du tonnerre. Avec étoile de sapin. Étoile bleue. Étoile de feu. Étoile du soleil, plume rousse, ou sinon, et c'est écueil rousse, voilà. Après, j'ai pas, mais j'ai marqué leur nom en anglais. Voilà. Après, il y a cœur de lion, plume grise, tournaille blanche, tempête de sable, petite feuille. Voilà. Museau chandri, croc jaune, feuille de lune, œil de jet. Pelage de granit, flocons de neige, pelage de neige, pois d'écureuil, cœur blanc, cœur cendré, cœur d'épine, truffe de sureau, feuille de houx, pelage de lion, pois de châtaigne, longue plume, demi-queue. Fleur de saule. Fleur de saule. J'aime, je l'adore. Elle est bien réussie. Graisse d'épines. Nuage d'argile. Aigle blanche. Pattes d'araignée. Nuage de musaraigne. Pattes de givre. Après, là, celui-là, j'ai fait du papier cartonné. Est-ce que j'avais que ça sur moi? Et j'avais fait donc customiser à la vie scolaire. Homme d'érable. Vif argent. Pois de souris. Un œil. Pelage de givre, plume blanche, j'ai bien réussi, je trouve. Alors, elle, comme vous voyez là, bah, j'ai enlevé le dessin et j'ai essayé de faire le reproduire le même, mais en plus beau. Mais c'est pas, donnez-moi votre avis sur Perce-Neige. J'ai quand même un petit doute, mais bon. Vos avis aussi, ça me fera du plus grand bien pour tous mes dessins. Bouton d'or. Voilà, faut que je termine les autres dessins que j'avais vus où c'est rien de marqué. Faut que je trouve le temps de marquer leur caractère. Voilà. Après, la petite oreille. Pomme de pin. Alors, la celle-là aussi que j'ai fait. Plume cendrée. Dites-moi en commentaire l'avis pour. Surtout pour Plume Cendrée et Perce-Neige. Et j'aimerais. Et si vous me donnez des avis pour les autres, ça me fera vraiment plaisir. Aile de colombe. Et feuille de lys. Feuille de lys et puis fleur de lune. Voilà. Après, je vais vous montrer par le clan de long que je suis en train de commencer de faire. Voilà. Étoile grise. Ensuite, un petit conseil. Juste un petit truc, je dois vous dire. En fait, j'imprime les images avec du papier exprès. Attendez, je vais voir si j'y trouve. Bon, voilà. Ben, déjà, avant que je continue.
Je vais vous montrer. Bah, je vais vous. C'est dur à expliquer comme ça. Alors du coup, je vais vous montrer les papiers. Alors du coup, moi, déjà, j'imprime des images. Après, j'aurais besoin du papier comme ça, du Armor, du Armor. Je vais faire le carbone main. Du coup, je mets le truc, je prends une feuille blanche, je mets le papier comme ça, là, et avec un crayon papier, je fais le contour du dessin. Mais il faut faire attention pour pas que ça bouge. Et après, là, je sais pas si vous voyez bien, vous devez voir des sortes de dessins, des petits traits. Et du coup, eh ben, c'est vraiment bien, ça marche bien. Alors, je vous conseille pour de faire comme ça si vous n'êtes pas une très bonne, très bon ou bonne dessin, dessineuse. Voilà. Après, là, ben, on a étoile brisée, étoile noire, étoile du tigre, et puis étoile de gel, le dernier. Voilà, bon, ben, vu que j'avais. Et vu que je viens de commencer, et ben là, il me reste encore à écrire son caractère, son coche de dessin. Après, là, c'est marqué patte noire, le nom d'apprenti, le nom de chaton. Je l'ai trouvé qu'en anglais, alors du coup, j'ai noté les trucs en anglais. Et après, ben, il me reste tout ça à faire. Bon, ben. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je ferai la suite dès que j'aurai avancé. À plus. À très bientôt pour une prochaine vidéo.